Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire? Aujourd'hui, nous allons parler d'un des événements les plus terribles de l'histoire du Moyen Âge, le retour de la peste en 1348. Alors, quand on imagine cette époque, on pense souvent que les gens souffraient de nombreuses maladies, et la première qui nous vient à l'esprit est bien sûr la peste. Pourtant, durant la majeure partie du Moyen Âge, la peste n'était pas présente en Europe. Alors pourquoi a-t-elle à ce point marqué les esprits jusqu'à nos jours? Que s'est-il donc passé au XIVe siècle? Y a-t-il eu beaucoup de victimes? Pouvait-on guérir de la peste? Plongeons donc aujourd'hui au cœur d'un des événements les plus traumatisants du Moyen Âge pour obtenir les réponses à ces questions. Apparaît pour la première fois en Europe au sein du bassin méditerranéen au tout début du Moyen Âge vers l'an 541 à la cour de l'empereur Justinien de Byzance. L'empire byzantin fut tellement touché qu'on appela cette vague de peste la peste justinienne du nom de son empereur. Chaque année, jusqu'en 767, la maladie revenait et faisait des victimes. Mais en 768, alors que Charlemagne s'apprête à monter sur le trône de France, la peste disparaît soudainement d'Europe. Elle continue pourtant à sévir ponctuellement au Proche-Orient, en Inde ou encore en Chine. Bien plus tard, en 1320, une nouvelle vague de peste apparaît en Mongolie et commence à se répandre. En 1347, le Khan de la Grande Horde d'Or, c'est-à-dire le roi des Tatars, un peuple qui vivait entre la Mongolie et la Turquie, attaque à plusieurs reprises les comptoirs génois situés au bord de la mer Noire, et en particulier Kaffa, en Crimée. Ce faisant, ils contaminent leurs adversaires. Les Génois vont ensuite ramener la peste avec eux et la répandre dans les différents ports méditerranéens en s'y arrêtant pour vendre leurs marchandises. C'est ainsi qu'un navire génois, en s'arrêtant à Marseille le 1er novembre 1347, apporte probablement avec lui la peste dans le royaume de France après presque 7 siècles d'absence. La maladie se propage très vite, en suivant les axes routiers et fluviaux entre 1348 et 1350. En à peine 6 semaines, il y eut environ 600 000 morts à Avignon. À Narbonne, le nombre de feux, c'est-à-dire de familles, passa de 6029 en 1336 à 2500 en 1361, ce qui représente une diminution de plus de la moitié du nombre d'habitants. À Givry en Bourgogne, le curé qui notait habituellement 28 à 29 décès par an dans le registre paroissial enregistra 649 décès en 1348. À Saint-Germain-l'Auxerrois, paroisse la plus importante de Paris, on enregistra 3116 morts du 25 avril 1349 au 20 juin 1350. À Saint-Denis, enfin, les chroniqueurs évaluèrent à 16 000 le nombre de victimes. En réalité, il y eut deux vagues de peste, la première en 1348 et la seconde en 1360. Et ce ne furent pas les mêmes formes de la maladie qui frappèrent les populations. En 1348, c'est la peste pulmonaire qui se répand. C'est la forme première de la maladie. Parmi les symptômes, on note une fièvre continue et des crachements de sang. Cette maladie se caractérise par une mort rapide et très peu de chances de survie. Elle se transmet entre les hommes par la salive et les gouttelettes suspendues dans l'air. En 1360, en revanche, c'est la peste bubonique qui touche la population. Cette forme de la maladie est la plus connue aujourd'hui car elle est très impressionnante visuellement. Elle se caractérise par des bubons causés par le gonflement douloureux des ganglions lymphatiques et par des marques noires sur la peau appelées charbons, en plus d'une fièvre continue. Dans ce cas-là, ce sont les puces du rat qui propagent la maladie en piquant les hommes. Les tissus du corps meurent autour des piqûres, on dit qu'ils se nécrosent, ce qui explique les marques noires sur le corps. Dans 60% des cas, la maladie est mortelle. Bien sûr, au Moyen Âge, on ignorait tout de la cause de cette maladie. Il faudra attendre 1894 pour qu'un scientifique français, Alexandre Yersin, et un scientifique japonais, Kitasato Shibasaburo, découvrent simultanément que la bactérie responsable était en fait transportée par les puces du rat. À partir de 1360, les deux formes de la maladie se succèdent. La peste pulmonaire frappe généralement l'hiver et la peste bubonique un peu plus tard. Il n'y a pas de trêve. Quand une forme de la maladie entre en sommeil, l'autre se réveille. C'est ce qui explique le nombre élevé de morts tout au long de l'année. Sans compter qu'il existait une troisième forme de la maladie, la peste septicémique. À un stade avancé, si le malade ne guérissait pas, la peste bubonique finissait par contaminer le sang.
créant ainsi une septicémie, c'est-à-dire un empoisonnement du sang qui causait la mort aussi certainement que la peste pulmonaire. Guy de Chauliac était un médecin chirurgien né en 1298 en Auvergne. Il commença par exercer à Lyon et son talent l'amena à travailler auprès de trois papes successifs à Avignon, Clément VI, Innocent VI et Urbain V de 1342 à 1370. Dans son livre « La chirurgie », publié en 1363, il raconte le retour de la peste et ses ravages de son point de vue de médecin. Selon lui, les deux épidémies n'auraient pas touché la même population. Plus de gens du peuple seraient morts dans la première épidémie et plus de nobles et de riches dans la seconde. Si cela est vrai, ce n'est pas très surprenant, car les pauvres n'avaient pas forcément la possibilité de fuir la peste pulmonaire. Ils vivaient dans la promiscuité et l'hygiène était moins rigoureuse que chez les plus riches. En revanche, il raconte que la peste bubonique de 1360 aurait davantage touché les enfants et plus les garçons que les filles. On la surnomme d'ailleurs la peste des enfants. Cela s'explique par le fait que les adultes ayant survécu à la peste de 1348 ont développé une certaine résistance à celle de 1360, mais pas les enfants qui sont nés après et sont donc les principales victimes. Guy de Chauliac raconte aussi que le peuple cherchait un responsable pour ses malheurs. La vérité populaire voulait que les responsables soient les marginaux et ceux qui ne respectaient pas la morale chrétienne. Les juifs, les étrangers, les prostituées, les mendiants et même les nobles sont ainsi accusés tour à tour. On craint également que l'eau et les puits n'aient été empoisonnés. Certains de ces coupables désignés sont alors tués par les foules en colère. Dans son livre, Guy de Chauliac ne souscrit pas du tout à ces rumeurs populaires et condamne ces manifestations violentes, d'autant plus que les papes qu'il servait avaient combattu les persécutions contre les juifs. Pour ce médecin et pour la plupart des intellectuels de l'époque, la cause de la peste de 1348 était liée à l'astrologie. En 1345, un mouvement des planètes, appelé conjonction, provoque un dérèglement du monde terrestre. L'homme subit l'influence de ces dérèglements parce que le corps humain serait constitué d'humeurs, quatre grands fluides présents dans le corps qui déterminent la santé. Le déséquilibre de ces humeurs se traduit par la maladie. À l'époque, les mécanismes de la contagion ne sont pas bien connus, mais Guy de Chauliac identifie quand même le rôle de la proximité entre les hommes. Pour lui, la peste est un poison qui se transmet par contact ou par l'air que l'on respire. Cela mènera à des mesures d'isolement au XVe siècle. L'incompréhension des mécanismes de transmission de la maladie entraîne une incapacité de lutter efficacement contre les origines du mal. Il reconnaît d'ailleurs lui-même que la meilleure solution pour se protéger reste la fuite. C'est ce que font les nobles, les enfants des grandes familles sont envoyés à la campagne. On cherche à éviter les malades en s'isolant. Malheureusement, la fuite des populations propage la maladie dans le royaume. Sans compter que fuir n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup doivent recourir à la guérison plutôt qu'à la prévention. Le traitement de guérison principal est la saignée, qui a pour but d'évacuer le sang corrompu du corps et de ramener l'équilibre entre les humeurs. Il existe cependant un traitement préventif, autre que la fuite, la purification de l'air. On lutte contre les mauvaises odeurs en purifiant l'air avec le feu. Guy de Chauliac fait aussi une liste des remèdes de grand-mère. Plus le remède est rare, plus il était censé marcher. Les chiffres avancés par Guy de Chauliac sont de 75% de décès au sein de la population en 1348 et 50% en 1360. C'est une petite exagération. Le chiffrage du nombre de morts est fantastique car la mort lui semble omniprésente. En réalité, on estime que 30 à 50% de la population européenne a été victime de la peste au XIVe siècle. Avant, on disait que le monde était plein comme un œuf. La population était si dense que les nouvelles terres étaient sans cesse défrichées pour créer de nouveaux espaces à habiter. Dans les fermes, on pouvait trouver des familles nombreuses composées de fratries vivant tous de la même terre. Par exemple, trois frères, leurs épouses et leurs enfants respectifs pouvaient tous vivre ensemble par manque de place. Mais après la peste, la population est tellement réduite que de nombreuses terres sont abandonnées. Désormais, un seul couple peut posséder une grande ferme. Les paysans parviennent ainsi à privatiser des terres qui autrefois ne leur appartenaient pas. Les salaires augmentent par manque de travailleurs. Des villages entiers sont abandonnés. La forêt reprend également ses droits sur ces terres abandonnées. Il faudra attendre le XVIe siècle, soit presque 200 ans, pour que la population européenne commence doucement à se repeupler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.